Alors, salut, j'espère que tu vas bien. Donc, on va commencer aujourd'hui avec le quadrupède, donc en position. Donc, je vais y aller vers l'arrière, extension du arrière de la cuisse vers le plafond. Et ensuite, je vais aller sur le côté. Okay. Cette petite nuance à cet exercice. Donc, le ventre est bien soutenu. Tu pourrais toujours être sur les avant-bras si tu veux. Ventre soutenu, les épaules basses. Donc, en position. On y va pour 5 répétitions, 5 pulsations pour 5, 4, 3, 2, 1. De cette position-ci, je m'en vais en diagonale vers l'extérieur. Et 5, 4, 3, 2, 1. Donc, je reviens et je descends. On monte en pouce, pouce, pouce. Donc, derrière et 1, 2, 3, 4. 5, je m'en vais vers l'extérieur en diagonale. Et 5, 4, 3, 2, 1. On revient, on descend, on pousse, pousse, pousse. Et 1, 2, 3, 4, 5. Extension. Et 1, 2, 3, 4, 5. On revient. On descend. Le ventre est bien soutenu. Les bras sont tendus ou pliés pour aller solliciter les triceps. On pousse, pousse, pousse. Et 1, 2, 3, 4, 5. Je m'en vais vers l'extérieur en diagonale. Et 1, 2, 3, 4, 5. On revient. Dernière fois. On pousse, pousse, pousse. Et 1, 2, 3, 4. 5, je m'en vais vers l'extérieur et 5, 4, 3, 2, 1, on revient et on relaxe un peu, on tourne les poignets, ça fait du bien. Et on se prépare pour faire tout de suite l'autre jambe. Alors en position, ventre soutenu, bras bien tendus, on pousse les ischios vers le plafond et 1, 2, 3, 4, 5, je m'en vais vers l'extérieur. Et 1, 2, 3, 4, 5. Je reviens et je descends. Extension, pouce, pouce vers le plafond. Et 1, 2, plus haut. 3, 4, 5. Vers l'extérieur. Et 1, 2, 3, 4, 5. On revient, on descend, on monte en pouce, pouce, pouce et 1, 2, on respire, 3, 4, 5, on dégage vers l'extérieur et 1, 2, 3, 4, 5, on revient, on descend, le ventre est soutenu, on pousse, pousse, pousse et 1, 2, 3, 4, 5, dégagez sur le côté et 1, 2, on tient. 3, plus haut. 4, 5. On revient, on descend. Dernière fois, on pousse, pousse, pousse. Et 1, 2, 3, 4, 5. On va vers l'extérieur. Et 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche. On relâche un petit peu. On se dandine, on vient tirer nos fesses, ça fait du bien. Et on se prépare pour faire la planche sur le côté, sur l'avant-bras. Tu peux le faire sur la main si tu veux. Toujours le corps bien dégagé. Le ventre est bien soutenu. Rentre le ventre rétroversion en position. On le fait pour 15 secondes. Je suis bien alignée, pas vers l'avant ni vers l'arrière, mais bien alignée. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5, 4, 3, 2, 1. Je m'en vais au centre. En position, pas de tête sortie, le ventre est bien soutenu. Et là, je vais faire des petites torsions, des petites rotations du tronc. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5, 4, 3, 2, 1. Et là, je m'en vais de l'autre côté, en position.
Le ventre est bien soutenu, pousse ta taille vers le plafond. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche, on relaxe un peu. On va se préparer pour faire l'étoile. Ouh, je ne sais pas si on va voir l'exercice au complet. Donc, je vais venir déposer ma main au sol et je vais venir étirer ma jambe. Et là, je ne vais pas être vers l'avant ni vers l'arrière. On dirait que l'éclairage n'est pas bon. Je vais juste vérifier une petite chose, un petit détail. Oui, c'est ça, je pense, c'est ça. Que la lumière soit... Ah, je ne suis pas capable de mettre le flash. Désolée. Ok, ça fonctionne. Donc, sur le côté, en position, donc je suis sur les genoux, je viens balancer et hop. Et là, je vais venir lever la jambe, mon ventre est bien soutenu. Et non, et ça ne fonctionne pas l'éclairage en ce moment. Je vais juste faire une petite modification. Ah, j'ai rien fait, je me suis juste approchée, peut-être qu'en m'approchant. Ok. C'est pas grave. Donc, de cette position-ci, va-et-vient devant, derrière. Donc, devant et 1. Le ventre est bien soutenu. Loin derrière 1. 2. Devant 1. 2. Loin derrière 1. 2. Devant 1. 2. Loin derrière 1. 2. Devant 1. 2. Loin derrière 1. 2. Dernière fois 1. 2. Derrière 1. 2. Et on relâche. On va aller de l'autre côté. Et après ça, je pense que je vais vraiment ajuster l'éclairage. Ventre soutenu, côté de la cuisse vers le plafond. Et devant et 1. 2, loin derrière 1. 2, devant 1. 2, loin derrière 1. 2, devant 1. 2, loin derrière 1. 2, devant 1. 2, loin derrière 1. 2, dernière fois 1. 2, loin derrière 1. 2, et on relâche. On va se préparer pour faire des flexions latérales. Donc, on va se mettre sur les genoux ou debout. Là, je vais juste ajuster quelque chose. Super. OK. Donc, je prends mes haltères. Puis, mon corps va être aligné donc dans l'axe. Ce que je vais faire, c'est que je vais descendre mon bras. Je vais bien contracter mes abdominaux, mes épaules sont bien basses. Et là, je vais venir descendre. Et je remonte toujours en contractant bien mes abdominaux. Et je remonte. Donc, c'est important que je ne penche pas vers l'avant ni vers l'arrière, mais que je sois bien alignée. En position. On continue. Encore deux fois. Donc, je contracte bien mes abdominaux. Puis en remontant aussi, on n'oublie pas, on ne relâche pas. Là, je m'en vais de l'autre côté. Donc, mes abdominaux sont bien soutenus. Là, j'ai penché et là, je travaille en remontant. Et hop. Mes épaules sont bien basses. Facile, hein, mais ce n'est pas. Et la dernière fois. Et on relâche. On va se mettre sur le dos. On se prépare pour combiner. On va faire l'extension des deux jambes. On va combiner avec des redressements et ensuite l'extension des jambes et les deux en même. Donc, extension des deux jambes. Tu peux mettre allonger les bras si tu veux. Descendre les épaules. Donc, le ventre rétroversé, on isole bien tes abdominaux. Alors, deux extensions, on va en faire trois. Tu peux mettre une main derrière la tête pour te préparer à l'exercice d'après. Donc, extension 1, 2, remonte 1, 2, descend 1, 2, 1, 2, dernière fois. Et là, je vais simplement faire un redressement assigné. Tu peux garder tes jambes un petit peu descendues pour aller chercher le bas des abdominaux. Donc, le redressement assis, on pousse, on tient pour 10, 9, 8, 7, 6, 5,
2, 1. Et là, je vais faire les deux. Je vais venir descendre les jambes. Donc, je suis en redressement ici et je descends les jambes et je remonte. Descends. Hop. Et la dernière fois. Hop. Et on relâche. Donc, simplement extension des deux jambes. Amplement de rétroversion. Descends et 1, 2, 1, 2. Descends. 1, 2, 1, 2. Dernière fois. Et le redressement assis, toujours entre le ventre rétroversion, redressement assis, on pousse son pied, pousse vers le plafond. Et 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Extension des deux jambes, descend et 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Dernière fois. Et hop, et on relâche. On se prépare pour faire la planche sur l'avant-bras. Donc, en position. Donc, on refait la même chose qu'on a fait. Donc, l'épaule bien dégagée, les pieds un sur l'autre. Rentre le ventre rétroversion. Pousse bien la taille vers le plafond. C'est la taille dans laquelle on travaille. Alors, en position. Et hop, ajuste-toi pour bien sentir ta taille qui travaille. Si tu ne la sens pas, c'est parce que tu ne la travailles pas. Et là, pousse vers le plafond. Et 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Au centre, sur les avant-bras, le ventre est soutenu. Et on va juste faire un petit mouvement de va-et-vient, mais vers l'avant, vers l'arrière. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5, 4, 3, 2, 1. On met juste le bras, les pieds un sur l'autre, le ventre est bien soutenu. Pose vers le plafond. Et 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche. On relaxe un peu. On s'en va sur le côté, on se prépare pour faire la maximale. Donc, je vais venir plier, développer la jambe. Bon, le ventre est bien soutenu, je peux mettre mes jambes légèrement en V. Et là, je vais venir tirer ma jambe. 1, 2, plier, développe, on tire, tire, tire et on descend, toujours en gardant les abdominaux bien soutenus. Main devant, pas de main, c'est comme tu veux. Alors, en position, il va pour 5. Et 1, 2, plier, développe, descend. Et 1, 2, plier, développe, descend. Et 1, 2, plier, développe, descend. Et 1, les abdominaux sont bien soutenus, le corps est bien dégagé, dernière fois, et les épaules sont bien basses. Développe, et on descend, on relaxe un petit peu. On se prépare pour faire la bicyclette, oui, on la refait. Pente bien soutenue, mes jambes sont légèrement en V, ma jambe est à la hauteur de ma hanche. J'amène ma jambe devant, les abdominaux sont vraiment contractés. Plier, pieds genoux à la hauteur de la hanche. J'amène mon pli loin derrière jusqu'à temps que ma fesse se contracte par elle-même. Pousse le derrière de la cuisse et on tire, tire, tire. Mais de cette position-ci, j'ai les genoux un petit peu vers l'intérieur. Extension de la jambe pour 3, 2, on tient et 1. Et je ramène la jambe à la hauteur de la hanche. On amène la jambe devant, plier. On amène le pli loin derrière. Pousse le derrière de la cuisse et on tire, tire, tire. Tu peux pencher un petit peu vers l'avant si tu veux. Extension pour 3, on tient. 2, on tient. Et 1, on tient. On ramène la jambe à la hauteur de la hanche. On amène la jambe devant. Plier. On amène le plié loin derrière. Pousse. Et on tire, tire, tire. Extension. Et 1, on tient. 2, 3, on ramène la jambe. On amène la jambe devant. Plier. On amène le plié loin derrière, pousse et on tire, 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 extension. Et 1, 2, et 3. Dernière fois, on amène la jambe devant, plié. On amène le plié loin derrière, pousse et on tire, 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 extension. Et 1, 2, on tient. Et 3, mais là on reste derrière, on fait le contraire. Donc derrière, on vient plier, on pousse davantage vers l'arrière, le ventre est soutenu, on n'oublie pas. On amène le plié devant et on tire, 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 extension, oui. Et 1, 2, on tire.
Et 3, on ramène la jambe à la hauteur de la hanche. On amène la jambe loin derrière. Plié poisson pied. On amène le plié devant. Et on tire, tire, tire. Extension. Et 1, 2, et 3. On amène la jambe loin derrière. Plié pouce, pouce. On amène le plié devant. Et on tire, tire, tire. Extension. 1, 2, on tient. 3, encore deux fois, on amène la jambe loin derrière. Plié, pouce, pouce. On amène le plié devant. Et on tire, tire, tire. Extension. 1, 2, 3. Dernière fois, on amène la jambe loin derrière. Plié, pouce, on tient. On amène le plié devant. Et on tire, 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 tire. Et 1, 2, et 3. Et on relâche. On relaxe un petit peu. On tourne les chevilles, ça fait du bien. Et on va se préparer pour faire le grand cercle. Donc, je peux mettre mes jambes légèrement en V. Toujours entre le ventre, rétroversion. Descends bien les épaules. Je lève la jambe à la hauteur de la hanche. Ventre bien soutenu. On amène la jambe devant. Extension vers le plafond. On tire, 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 tire. Ensuite, on amène la jambe loin derrière, le plus loin possible. On amène la jambe devant. Extension. On tire, 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 tire. On amène la jambe loin derrière. Et on revient. Devant, stop. On tire, 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 tire. Deux jambes bien tendues. On amène la jambe le plus loin possible derrière. Et on revient. Devant, stop. On tire, 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 tire. Et on amène la jambe loin derrière. Dernière fois. Devant, stop. On tire, 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 tire. Et on amène la jambe loin derrière. Et là, je viens faire le contraire. Donc, je vais juste relaxer un petit peu. On est assez relaxé. Pas long, hein? Ventre bien soutenu. On lève la jambe à la hauteur de la hanche. Descends tes épaules. On respire. On amène la jambe loin derrière jusqu'à temps que la fesse soit contractée par elle-même. Extension jusqu'à temps que ça bloque. Garde la jambe bien tendue. Amène ton pied vers le plafond. Et amène la jambe devant. Loin derrière. Extension vers le plafond. Et devant. Loin derrière. Extension vers le plafond. Et devant. Loin derrière. Extension. Vers le plafond. Et loin devant. Dernière fois. Loin derrière. Extension. Vers le plafond. Et devant. Et on relâche. On relaxe un petit peu. On se prépare pour faire la patate chaude. Donc, mes jambes sont légèrement en V. Et là, je vais lever la jambe et je vais amener ma jambe devant. Je vais venir taper 1, 2, extension de la jambe et loin derrière 1, 2, hop. Et on revient. Donc, je reviens toujours, tu sais, quand je fais l'extension de la jambe et que ma jambe est dans l'axe, ben, je reviens toujours là. OK? Excusez, je vais me mettre avec mon jambe. OK. Alors, en position, ventre bien soutenu, descendez les épaules et devant 1, 2, hop. Derrière 1, 2, hop. 1, 2, hop, derrière, 1, 2, hop, 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 deux fois. 1, 2, hop, derrière, 1, 2, hop, dernière fois, 1, 2, hop, derrière, 1, 2, hop, et on relâche. On s'en va de l'autre côté. On va prendre une petite pause push-up entre les deux, qu'on va combiner avec le chien qui est en bas. Donc, deux push-up, chien, deux push-up. Donc, le ventre est bien soutenu. Les mains et les pieds restent toujours au même endroit. En position. Et descend, 1, remonte. 2. De cette position-ci, rentre le ventre, pousse les fesses, descend les talons et 5. 4. 3. 2. 1. Reprends la position, descend et 1. Hop. 2. Hop. J'ai tête en bas et 5. 4. 3. 2. 1. Et on relâche. On s'en va de l'autre côté. Donc en position, je vais juste faire un dernier. Ah, je fais tomber. Un dernier test. En même temps. Et là. C'est ça. OK.
mais on va vivre avec. Donc, en posture pour la maximale, un deux pliés des blocs descend. Ventre est bien soutenu. Et un, deux, plié, développe, descend. Et un, deux, plié, tire, descend. Et un, deux, plié, développe, descend. Et un, deux, plié, développe, descend. Dernière fois, deux, plié, développe, descend. Et on relâche. Bicyclette. Juste pour te dire, des fois avec les exercices, on atteint un certain plateau. Puis ce que je te conseille de faire, parce qu'ils se vendent des poids que tu peux mettre à tes chevilles. Tu peux commencer avec des 1 livre. Non, je pense que c'est 1,5 ou mettons 2 livres. Ça pourrait t'aider à progresser. Donc, le ventre rétroversion, on lève la jambe à la hauteur de la hanche. On amène la jambe devant. Plié. On amène le plié loin derrière jusqu'à temps que le fesse soit bien contracté. Pousse le derrière de la cuisse. Et on tire, tire, tire. Extension 3 fois pour 3. 2. Et 1. Et on amène la jambe devant. Le ventre est bien soutenu. Plié. On amène le plié loin derrière. Pousse. Et on tire, tire, tire. Extension. Et 1. 2. Et 3. On amène la jambe devant. Plié. Loin derrière, pousse et on tire, 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 extension. Et 1, 2, 3, encore deux fois. On amène la jambe devant, plié. On amène le plié loin derrière, plus loin, plus loin, plus loin, pousse. Et on tire, tire, tire. Et 1, 2, on tient. Et 3, on ramène la jambe à la hauteur de la hanche. Dernière fois, on amène la jambe devant, plié. On amène le plié loin derrière, pousse. Et on tire, 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 le genou quasiment vers l'intérieur, le côté de la cuisse vers le plafond. Et 1, on tient. Et 2, on tient. Et 3, on relaxe 2 secondes, mais on reste derrière. Donc, loin derrière, on vient plier, on pousse encore plus vers l'arrière pour vraiment aller chercher les ischios. On amène le plié devant et on tire, 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 tire. Ma jambe est quasiment vers l'intérieur, extension. Et 1, on tient. 2, et 3. Et on amène la jambe loin derrière. Plus loin, plus loin, plus loin. Plié. Pousse, pousse. On amène le plié devant. Et on tire, 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 tire. Extension. Et 1. 2. Et 3. On amène la jambe loin derrière. Plié, pousse, pousse. Plié devant. Et on tire, 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 tire. Extension. 1. 2. On tient. Et 3, on ramène la jambe à la hauteur de la hanche. Loin derrière, plié, pousse, on tient. On amène le plié devant et on tire, 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 extension. Et 1, 2, et 3. Dernière fois, on amène la jambe loin derrière, plié, pousse, pousse, pousse. On amène le plié devant et on tire, 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 tire. Deux jambes extrêmement bien tendues. Et 1. 2 et 3. Non, je ne suis pas figée. Et on relâche. On tourne les chevilles, ça fait du bien. Et là, on se prépare pour faire le grand cercle. Donc, je peux mettre mes jambes en V, mais je peux garder mes jambes tendues, mon corps droit, là, si je veux. Alors, en position, rentre le ventre rétroversion, on lève la jambe à la hauteur de la hanche. On amène la jambe devant, extension vers le plafond. Ensuite, j'amène la jambe le plus loin possible. Derrière, mais avec le côté de la cuisse vers le plafond, on amène la jambe devant. On tire, 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 tire. On amène la jambe loin derrière. Et là, devant. Extension, on tire, tire, tire. On grandit les deux jambes. Les abdominaux sont soutenus. Descend les épaules. On amène la jambe devant. Extension, on tire, 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 tire. On amène la jambe loin derrière. Tire les deux jambes en même temps. Dernière fois, on amène la jambe devant. Extension, on tire, 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 tire. Loin derrière, relâche pas, relâche pas. Et on relâche. Et là, on va faire le contraire. Donc, j'amène ma jambe, mes jambes sont une sur l'autre. Loin derrière, le côté de la cuisse vers le plafond. Extension vers le plafond et devant. Loin derrière, extension vers le plafond et devant. Loin derrière, extension vers le plafond, devant,
loin derrière. Extension vers le plafond. Et devant, dernière fois, loin derrière. Extension vers le plafond. Et devant, et on relâche. On se prépare pour faire la patate chaude. Donc, en position, on lève la jambe à la hauteur de la hanche. Devant et 1, 2, hop. Derrière 1, 2. Les abdominaux sont soutenus. Devant 1, 2, hop. Derrière 1, 2, hop. 1, 2, hop. Derrière 1, 2, hop. 1, 2, hop. N'oublie pas de contracter tes abdominaux, de garder les deux jambes bien tendues. Hop. 1, 2, hop. 1, 2, hop. Derrière 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 1, 2, hop. Dernière fois, petit clé d'œil à Fred. Derrière 1, 2, hop. Tu vois mon pied en dessous. Hop. 1, 2, hop. Et on relâche. C'est déjà presque l'heure. On va juste faire un petit enroulement. Donc, le corps bien allongé, bien étiré. Oh, on va prendre les haltères. Oui, bonne idée. Corps bien allongé, bien étiré. On inspire, on lève seulement les omoplates, entre le ventre rétroversion. On monte. Dos droit, on vient bien allonger, on tire devant, on étire le derrière des jambes. Tire devant pour 5, 4, 3, 2. Descends bien les épaules, lève les coudes, tire, tire les bras derrière en longueur, en hauteur pour 10, 10, 9, 9, 8, 8, 7, 7, 6, 6, 5, 5, 4, 4, 3, 3, 2, 2, 1, 1. Descends bien les épaules, bras devant, rentre le ventre, rétroversion et on vient dérouler. Vertèbre par vertèbre en grandissant le corps. On inspire, on lève seulement les omoplates, descendez les épaules, on monte. Grandis le corps, on vient bien allonger devant, on fléchit les pieds. Et 5, 4, 3, 2, 1. Tu peux repointer, descends bien les épaules, lève les coudes, tire, tire les bras derrière pour 10, 10, 9, 9, 8, 8, 7, 7, 6, 6, 5, 5, 4, 4, 3, 3, 2, 2, 1, 1. Et on relâche, c'est terminé, c'est tout. Alors bravo, on se voit à la prochaine séance. Donc peut-être que c'est dans 15 minutes, peut-être que c'est la semaine prochaine. Bye bye!